aujourd'hui, on va dire que je suis un peu cowgirl. C'est le look très jean. Il y a un côté un peu American, un peu indienne aussi. Ouais. Petit côté Colorado, on va dire, je pense. Hein. La petite chemise en jean, donc cloutée. Très cowgirl de chez Zara. Très Zara, très, très simple aujourd'hui. Ouais. Petit t-shirt indien, pareil Zara. J'aime beaucoup les manches. Je vous les montre. Voilà. Et un jean, petite ceinture. Voilà, c'est tout. Ouais. Hein. Américain. Chaussures que j'ai tuées. Que j'ai tuées dans cette herbe mouillée. Ça y est, je peux leur dire adieu à mes chaussures. Parce qu'elles étaient un peu couleur chair à l'époque. Il fut un temps, elles étaient, on va dire, nude. Maintenant, elles sont grises. Et Zara aussi. Total look Zara. À part le jean, je crois que c'est diesel. Si vous deviez définir votre look. Ah, j'ai pas vraiment de look en fait. Ouais. J'aime bien changer. Je peux être très rock. Un jour, ouais. Petit perfecto. Petit t-shirt avec un groupe de rock que j'écoute même pas spécialement, hein, pour faire genre, je suis une rockeuse. Donc voilà, j'aime bien le côté rock, je peux la jouer un petit peu romantique avec, avec des petites robes, un peu plus petite fille. J'aime bien jongler en fait et changer de style tout le temps, comme aujourd'hui un peu plus à la cool américaine. Mais je m'habille pas de la même façon du tout. Mais si vous deviez garder qu'une pièce dans votre garde-robe, ce serait quoi? Oh, l'impossible! Une pièce dans la garde-robe, mais c'est impossible. Je préfère ne rien garder du tout. Moi, j'aurais pas de regrets parce que si je garde une pièce, je vais regretter l'autre. Ça serait très dur. Mais peut-être mon petit perfecto. J'ai un petit perfecto que j'ai acheté il y a un an chez Mango. Pourtant, ça paye pas de mine. Il est magnifique.